Éminence, exactement le 17 janvier de cette année ici, que nous avons eu à fêter le 27e anniversaire de l'existence de l'enseignement kimbanguiste, une œuvre personnelle à vous. Manifestation. Nous avons essayé de faire le résumé de l'historique de l'enseignement kimbanguiste. Il y a eu plusieurs démonstrations de la part des élèves pour vous présenter à peu près le bilan de votre œuvre, et ceci en présence des autorités tant politiques que civiles. Ils ont eu à apprécier, à juste titre, et ils ont eu à encourager votre œuvre. Mais du fait que vous ne voyez pas tout simplement le temporel, vous avez visé plus loin et vous avez développé une idée qui a touché chacun de nos invités, parce qu'ils m'en ont parlé, ils ont poussé la réflexion plus loin. Si je peux vous paraphraser, je me rappelle, vous avez dit ceci: je suis très content, tout est beau. Vous avez insisté sur la beauté, et vous avez dit, tout est beau, les différentes démonstrations qu'on vient de présenter ici, à attirer l'attention de tous ceux qui sont ici. Mais je ne me limite pas tout simplement à ces niveaux. Mais si du moins cette beauté qui est visible pouvait se refléter dans vos moi intérieurs, je serais plus content. Alors en ce moment-là, je crois dans la prière, nous nous sommes déjà excusés. Vous avez créé cet enseignement pour cette jeunesse et vous avez voulu vous adresser spécialement à cette même jeunesse. Je crois, au cours de cette
manifestation, je rappelais vos prophéties, quand vous devriez nous dire en commençant cet enseignement, vous savez, en ce moment-là, en 1960, ce n'était pas imaginable dire que mes enfants parmi vous ici, il y aura de commissaires d'État, il y aura de directeurs des écoles, il y aura des directeurs généraux et que sais-je encore. Tout ce que vous avez dit en 1960, ça s'est réalisé. Et nous avons cité l'exemple d'un de mes premiers collaborateurs, qui fut mon chef, le citoyen Mwondi, celui qui était devenu le premier, il était devenu commissaire d'État. Et j'ai donné également l'exemple du commissaire d'État travail de la prévoyance sociale, qui faisait partie de la jeunesse, qui est actuellement commissaire d'État. Vos regrets et votre souhait que vous avez manifesté ce jour-là, souhait qui consistait à voir, à causer avec cette jeunesse, constitue pour nous un ordre. Le souhait d'un chef, c'est un ordre. C'est ce que nous sommes venus réaliser, éminence, aujourd'hui. La jeunesse, elle est là. Elle est vôtre. Vous ne vous contentez pas tout simplement du matériel, mais vous visez plus loin. Cette responsabilité grandiose que vous avez, vous l'avez jamais négligée. Parce que même en science, on dit bien, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous n'avez pas eu l'envie tout simplement de préparer l'élite intellectuelle, mais l'élite intellectuelle chrétien digne de son nom et qui doit être utile devant ce monde et devant Dieu. Et c'est ce que vous continuez à faire. Les enfants sont ici depuis 9 heures, cher papa. Mais de ce côté-là, je peux déjà vous dire que vous pouvez être très apaisé. Ce sont des enfants que nous apprenons. Le kimbanguisme, c'est le fruit de patience et de la résistance. C'est une formation. Ils doivent apprendre à patienter. Ils doivent apprendre à résister parce que c'est pour leur bien. C'est pourquoi, Son Éminence, je ne veux pas être trop élastique pour ne pas trop tarder. Je vous cède la parole pour que vous puissiez vous adresser à vos enfants et ils sont là à votre écoute. Merci, Son Éminence. Au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je voudrais demander aux chers élèves de garder un peu votre silence. Je crois que j'avais demandé à ce que je puisse vous rencontrer. Comme disait tout à l'heure le coordinateur national, le 17, quand nous étions ici, vous êtes partis un peu très tôt. Au moment où je devais m'adresser à vous, vous êtes tous partis. Ça provoquait une réelle panique dans mes idées. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le coordinateur national, vous avez présenté, par votre savoir-faire, une véritable beauté ce jour-là, par votre comportement, par toutes les gymnastiques que vous avez pu produire ici, ça présentait réellement une très grande beauté. Et le défilé, il a été tellement éloquent, ça démontrait que réellement vous suiviez un peu notre ligne de conduite. Aujourd'hui, je n'aurai pas beaucoup à vous dire parce que tout d'abord, c'est une injustice de ma part quand j'apprends que vous êtes là depuis 9 heures. Moi, je ne croyais pas une telle ampleur. Quand hier, le coordinateur national
m'a demandé si je pouvais rencontrer le responsable de l'enseignement. Je ne savais pas que les élèves y compris. Mais puisque vous êtes là, je suis obligé de vous dire un mot. Tout d'abord, félicitations d'avoir accepté de venir étudier chez nous. En acceptant de vivre à côté de nous, vous avez donné le feu vert à l'église qui m'a dit de s'occuper réellement de vous. Tout d'abord, vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes dans notre enseignement. Parce que notre enseignement, il est de la création nègre. Il est de la création nègre et par conséquent, il n'y a presque pas de valeur. Mais vous avez accepté de venir étudier, malgré les moqueries, malgré les injures, malgré les injustices, mais vous les avez acceptées. Et pour cela, franchement, je vous admire. Mais je voudrais vous voir présenter une réelle physionomie que vous étudiez dans une institution qui est de la création nègre. Par conséquent, pas de valeur. Par conséquent, cette institution qui souffre des injustices, mais malgré tout, nous les acceptons. Nous n'avons jamais utilisé une violence quelconque pour obtenir gain de cause. Nous continuons à souffrir et nous continuons à accepter tout ce que vous pouvez imaginer comme injustice. Ce qui fait notre fierté, nous sommes partis de zéro le 4 janvier 1960, quand je m'étais trouvé en face de 15 000 étudiants qui venaient d'être remerciés là où ils étudiaient parce que leurs parents ont été reconnus kimbanguistes. À partir de ce moment-là, je m'étais vu dans l'obligation de faire exister notre enseignement. Vous avez suivi tout à l'heure la prière de notre citoyenne qui était avec nous à ce moment-là, qui a participé au démarrage de cet enseignement. Elle a été très éloquente dans sa prière, car en ce moment-là, on ne pensait pas qu'un jour, nous pouvons arriver au stade où nous nous trouvons actuellement. Pour la première fois que j'ai remis le diplôme d'État en 1967, ça faisait ma très grande joie, parce que ce diplôme m'a été remis pour que je puisse le remettre au récipiendaire. Et c'était dans ma parcelle. J'étais réellement content d'avoir fait quelque chose là où il n'y avait rien. Les citoyens coordinateurs nationaux, tout à l'heure en vous parlant, même quand ils parlaient le 17 janvier dernier, pour vous tracer un peu par quel canot nous sommes passés pour arriver à faire exister notre enseignement. Je n'ai eu aucune ambition de devenir quoi que ce soit. Je me rappelle encore très très bien l'ancien président quand il m'avait posé la question de savoir où allais-je aboutir avec l'existence de notre enseignement. Ma réponse était toute simple. Dieu guidera nos pas. Et réellement, le bon Dieu nous a aidés. Et aujourd'hui, bien sûr, d'une manière très lente, mais très sûre même, vous avez accepté de venir étudier chez nous. C'est un acte de courage de votre part. Parce que souvent, on n'aime pas traiter les gens de la seconde zone. Mais puisque vous avez accepté de venir étudier chez nous, et les enseignants qui œuvrent dans notre institution, ils ont un courage exceptionnel.
Je les admire. Et pour cela, ils méritent vraiment mes sincères félicitations. Parce que accepter de venir travailler chez nous, c'est, on dirait, quelqu'un qui prépare une drôle de carrière. Une carrière sans issue. Parce que nous n'avons pas de vache mère qui nous donne pour que nous puissions prospérer dans notre élan. Nous faisons tout nous-mêmes. Mais je suis très heureux aussi de constater que parmi ceux qui vous dirigent actuellement, ce sont les nôtres. Je les appelle les nôtres parce qu'ils ont été formés chez nous et peut-être ils ont été complétés leurs études à l'université. D'autres aussi. Peut-être ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs ou bien même plus, mais ils ont accepté quand même de venir travailler chez nous. Et pour cela, réellement, ils méritent nos sincères remerciements et je les félicite de leur courage. Et j'espère qu'ils vont aller de l'avant. Chez nous, quand je parle chez nous, je vous dis, jamais je n'ai eu l'idée, jamais. Et que peut-être, en donnant l'occasion aux étudiants d'étudier, je veux obtenir quoi que ce soit. J'ai une très grande récompense pourtant de l'autre côté. Et je suis sûr et certain et que le jour que vous allez appréhender l'importance de votre présence dans notre enseignement, vous ferez tout pour ne pas faire la honte à papa. Moi, je n'ai jamais voulu faire la honte à mon père, jamais. Aujourd'hui, je suis dans ma 70e année, c'est-à-dire je suis dans ma 71e année depuis que je suis né. J'ai parlé l'autre jour à Lubumbashi, aux enseignants ainsi qu'aux élèves. J'étais tellement heureux de voir comment ces enseignants se sont démenés. Et quand j'ai vu le nombre d'élèves qui se trouvent à l'université, et que quand ils sont venus me dire, nous avons terminé nos études dans nos propres écoles. Et maintenant, les uns attendaient qu'à la fin de cette année, ils auront leur diplôme universitaire et les autres, ils les ont déjà terminés et qu'ils attendent d'être affectés. Franchement, j'étais tout heureux de constater que nous n'avons pas été oubliés. Le bon Dieu ne nous a jamais oubliés. Peut-être vous y tenez moins quand on vous parle de Dieu. Ça ne vous dit presque rien. Mes chers amis, j'ai quelquefois un langage qui est compliqué. Quand je vous regarde, il y a beaucoup de jeunes parmi vous, lors de leur naissance, je leur ai installé quelque chose et que c'est difficile de s'en apercevoir aujourd'hui. Quand vos parents vous ont amené chez moi, alors que vous aviez un jour ou deux, vos parents qui me connaissent, ils sont passés par chez moi. Pourquoi? Pour venir chercher la bénédiction de leur bébé. J'ai installé quelque chose, mais qui est tellement invisible, il n'a pas moyen d'appréhender son importance. Pourquoi je l'avais fait? J'ai toujours dit ceci, qu'en aidant les autres, je m'aide moi-même. C'est mon principe pour moi. À qui je fais mon signe quand ils sont bébés, c'est en prévision de l'avenir. Tous ceux qui ont eu des signes, vous
vous en apercevrez plus tard. Aujourd'hui, ça ne vous dit absolument rien. Je savais très très bien, en donnant ce signe à ces enfants, je pensais voir un peu plus loin. Pourquoi l'homme noir jusqu'à présent ne sait absolument rien faire de lui-même? Absolument rien. Mais qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'il nous manque l'intelligence? Mais je vois très très bien qu'il y a beaucoup des intellectuels qui vont en Europe, qui font de très 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 hautes études et qui sont automatiquement savants. Mais nos savants ne peuvent absolument rien produire. Pourquoi? On n'a jamais effectué une recherche dans ce sens-là pour connaître les raisons de cette lacune. Parce que si on faisait des hautes études, on devait faire les mêmes choses que l'homme blanc fait. Mais malheureusement, nous possédons presque la langue française. Vous trouverez, il y a beaucoup des Aïrois qui en possèdent. Aujourd'hui, quand ils vous parlent d'un langage impeccable. Et quand ils vous le coulent sur papier, vraiment, sans reproche. Mais, dans d'autres domaines, je crois que nous souffrons encore de beaucoup de lacunes. Et qu'est-ce que nous devons faire pour combler ce vide? Pour remplir ces lacunes? Nous ne faisons aucune recherche. Et c'est une erreur. Malgré quand je vois beaucoup de physionomies, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont préparés à devenir des grands hommes. Mais malheureusement, pour y arriver, qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne faites aucun effort. Et suite à ça, mes chers amis, pour moi, c'est une lacune. J'ai déjà sillonné le monde entier. Mais quand je me trouve en face de mes frères noirs, j'ai toujours eu de regrets. Il ne nous manque absolument rien. L'intelligence, nous l'avons. La mémoire, elle est tellement développée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous me posez la question de ce que j'ai vu au moment où j'avais 3 ans, en 1921, je vous le décris. C'est vraiment curieux. Nous avons une mémoire très développée. Et nous avons une intelligence très ouverte. Moi, je ne l'ai pas. Mais j'ai une petite mémoire. Mais quand je me trouve en face d'un blanc, vous lui parlez une idée aujourd'hui, mais vous allez lui poser la question dans 2-3 ans. Souvent, s'il n'a pas coulé sur papier ce qu'on a dit, minimum intelligent. Il est réellement instruit. Il a fait 18 ans d'études en France. Eh bien, c'est un savant aussi. Mais je lui ai posé des questions. Alors il m'a dit, mais papa, n'est-ce pas une punition que nous avons, nous, l'homme noir? Une punition? Vous êtes un savant. Si vous continuez à effectuer des recherches, peut-être vous allez découvrir pourquoi nous devons encore mériter cette punition. Le Christ est venu pour nous sauver tous. Il est mort sur la croix à cause de nous. Mais comment nous devons souffrir cette indifférence totale qui fait que l'homme noir reste encore comme le rebut de toute la création humaine. Il y a quelques années, nous avons reçu dans ma petite minute une délégation des prophètes du monde au nombre de 32. Il y en a qui sont venus des États-Unis d'Amérique, il y en a qui sont venus de la Corée, les autres de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, du Japon même. Mais ils nous ont fait une certaine révélation quand on nous a dit, mais vous savez, l'homme noir est resté prisonnier pendant 4400 ans.
l'homme noir est resté prisonnier pendant 4400 ans. Et quand vous lisez dans l'Évangile, justement, quand on parle un peu de 10 commandements, que le bon Dieu punit, de la première génération jusqu'à la quatrième, pour tous ceux qui ont eu un manquement. Il punit de la première jusqu'à la quatrième génération. Et nous sommes de laquelle génération? Hein? Hein? Est-ce que nous pouvons prétendre que nous sommes encore punis ou bien notre punition a été levée? Mes chers amis, c'est très difficile pour répondre à cette question. Et pourtant, elle est toute simple. Tous ces savants, mais tous ces prophètes, celle qui a été la porte-parole, c'était une dame. Elle a dit, votre punition est terminée. Vous avez souffert pendant 4400 ans. Maintenant, votre punition vient de terminer. Alors, on lui a posé un peu, vous savez que je me trouvais en face de Maître Mbungu et de Bobé et de Bénin. Je pense que ce sont des personnes non bêtes. Elles sont intelligentes. Eh bien, elles n'ont pas manqué de poser des questions. Mais notre punition était due à quoi? Pourquoi nous avons été punis pendant 4400 ans? Pour avoir fait quoi? Et en quelles circonstances notre punition a été levée? Mes chers amis, l'homme est image. Donc, chers élèves, je ne voudrais vraiment pas rentrer en profondeur ici. Pour moi, c'est la joie. Pour moi, toutes mes félicitations de ce que vous avez accepté d'étudier dans une institution nègre. Une institution qui est tellement minimisée. Une institution qui pourtant a franchi les océans. Les Belges qui nous ont persécutés. Aujourd'hui, on joue la musique. On fait le défilé à Bruxelles avec notre fanfare. Les Portugais qui nous ont fait souffrir, mais qui ont admis à la fin de fin que notre Église, elle est émanation de Dieu. Le Français mêmement, notre Église est reconnue officiellement en France, aujourd'hui l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, et les États-Unis n'en parlons pas parce que là-bas c'est depuis longtemps. Si cette institution est reconnue par les mêmes gens qui nous ont persécutés, ce qui est une véritable démonstration que Dieu est à côté de nous. Mes chers amis, nous avons beaucoup de savants parmi vous. Moi, je voudrais connaître d'ailleurs vos réalisations. Tous ceux à qui j'ai mis mon petit signe quand ils étaient petits, je leur préparais à devenir un peu ce qui devrait aider plus tard à dévoiler certains secrets. Il y a bien des choses qui nous sont cachées. Voilà. Le parasoleil ici, c'est l'œuvre de Blanc. Parce qu'il n'y a aucune contribution de ma part. L'instrument que je suis en train d'utiliser, ma montre, et tout ce qu'il est en train de manœuvrer ici, c'est l'œuvre de Blanc. Qu'est-ce que nous avons ajouté à ça? Quels sont les efforts que nous avons réalisés pour essayer de copier nos frères Blancs? Alors, pour moi, c'est une lacune. Je regrette beaucoup de le dire, mais nous devons nous découvrir. Qui sommes-nous en tant que Noirs? Pourquoi nous semblons rester comme les rebuts de toute la création humaine? L'homme image, c'est qui? Si c'est nous, mais pourquoi nous sommes restés comme ça? Si ce n'est pas nous, pourquoi nous devons souffrir encore jusqu'à ce moment? Je vous avais dit, j'étais aux États-Unis d'Amérique. On nous a amenés là où se trouve encore un petit groupe d'Indiens.
J'étais là avec le secrétaire général. Il y a deux de nos infirmiers qui nous ont accompagnés, dont l'un est pasteur. Mais nous sommes arrivés chez les Indiens. C'est dommage à ce que je dois vous le dire, mais ils dorment encore dans des grottes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de maison. Ils dorment dans des grandes montagnes là. Mais quand nous sommes arrivés, bon, on leur a dit qu'ils viennent me saluer. Quand nous sommes arrivés, on nous a installés d'abord dans un salon. Et quand on a demandé, bon, venez dire bonjour à son éminence, il a un castard qui est sorti, je l'ai regardé comme ça. Gros, géant, musclé. Mais quand il est venu à côté de moi, on lui demande à serrer la main à son éminence. C'est un invité du gouvernement américain de passage ici. Et alors, il est venu vous voir. Réaction des Indiens qui étaient à moitié habillés. Ils n'avaient même pas de chaussures, ils avaient des sandales. Ils n'avaient pas de chaussettes, ils n'avaient même pas de pantalons, ils n'avaient même pas de chemise. Mais il m'a regardé et dit, celui-là, moi je dois lui serrer la main. Mais c'était noir. Je le regarde là. Je regarde, j'étais très bien habillé. Je regarde mes collègues, Moutalon Tadila, et Mundosa et Benzaou. Très bien habillé. Et lui, sans habit, il dit, moi, je dois saluer celui-là. Mais c'était nègre. Et je le regarde, moi, je dis, mais ce n'est pas possible. Et lui qui est à moitié habillé. Et moi qui suis bien, je me regarde de belles chaussures que j'avais. Mais puisque j'avais la peau noire, il n'a pas voulu me saluer. De peur d'être contaminé. Et celui qui était notre interprète, c'est un Suisse naturalisé américain. Ce monsieur qui était notre interprète s'était fâché contre cet Indien. Il lui dit, mais comment? Vous pensez que le gouvernement américain est bête pour inviter une telle personne de l'Afrique et l'amener jusqu'ici? Vous devez lui saluer. Regardez-moi, en tant que blanc, j'ai dit que c'est un Suisse. Donc vraiment, c'est un blanc. Il me serre la main, il me fait la collade. Mes réactions toujours de cet Indien. Ça vous regarde, tant pis pour toi. Moi, je ne peux pas lui serrer la main. Vous avez certainement un système qui ne peut pas marcher avec vous parce que vous avez des produits que vous avez utilisés quand vous saluez cet homme-là, que vous ne devenez pas noir comme lui. Moi, je ne peux pas. Et réellement, il a fait un demi-tour. Alors, je me suis regardé, je me suis dit, eh bien, il doit y avoir un phénomène. Ce n'est pas ça simplement qui a attiré mon attention. Nous avons été en Israël. On passe au mur de Jérusalem dont vous entendez, d'une très grande épaisseur. Il y a beaucoup d'habitations dedans, du côté arabe. Eh bien, au moment où on ouvre la porte, nous venions de là où se trouve la mosquée Al-Aqsa. Bon, on devait rentrer à Jérusalem même. Mais quand on a ouvert la porte, nous franchissons le mur et je vois un enfant noir qui était habillé vraiment, comme le mot le dit, en noir, avec une petite culotte noire, pieds nus, avec une petite blouse noire. Alors, j'ai vu cet enfant, j'étais curieux, mais d'où est venu cet enfant? Alors, il dit, il me montre simplement le ventre, il me parle en leur langue, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Vraiment, il était en train de cet ordre. Je le regarde. Alors, j'avais un peu d'argent, j'ai pris 20 dollars, je lui ai donné. Alors, il a accepté. Il part. Bon, j'ai tourné le dos. Et mon directeur de cabinet, Bénin, qui vient de passer tout à l'heure là, il venait derrière en entretien avec les autres juifs qui venaient derrière. Eh bien, moi, je ne savais pas que dans le mur, il y avait beaucoup d'habitations des Arabes. Et les patrons habitaient, observaient au moment où j'ai remetté les 20 dollars.
je passe. L'arabe descend vite, vite, vite. Allez, il vient, il saisit les 20 dollars et il les met dans sa poche. Et bébé, non, à côté, il les saisit à la main. Il lui arrache ses billets. Alors, ce monsieur a réagi. Il dit, tiens, pourquoi vous venez arracher les billets qu'on a donnés à mon esclave? Vous ne savez pas que tous ses parents, ce sont nos esclaves? Mes ancêtres ont acheté ses ancêtres et c'est pour cela que ses enfants, quand ils ont quelque chose, c'est moi qui leur donne. Et ce n'est pas une autre personne. Alors, bien dit, c'est votre esclave. Papa a donné justement votre esclave. Il dit alors, comme il a donné à mon esclave, c'est à moi. Ben a dit, comme c'est à vous, allez, je ne vous donne pas les 20 dollars, les mets dans la poche. Allez, va-t'en. Et Saint-Esprit, la présence nombreuse de ces chers enfants a une très grande signification pour moi. Je te le confie, bénis-les, aide-les. Je te demande à ce que tu puisses faire développer leur intelligence, qu'ils aient toutes les facilités de s'adapter aux leçons qu'ils recevront à l'école. Je suis sûr et certain que parmi eux, il y en a qui sortiront, comme le disait tout à l'heure le coordinateur national, puisque ce sont des Aïrois, ils doivent s'attendre aux meilleurs résultats de leur savoir-faire quand plus tard ils deviendront des commissaires d'État. Et quand ils deviendront plus tard les membres du comité central, les membres du conseil législatif. Nous devons les préparer. C'est toi qui dois les préparer, Seigneur. Je te le confie. Donne à chacun une méthode d'étudier. Donne à chacun une bonne santé. Une santé, tant morale, spirituelle que matérielle. Car nous en avons tous besoin. Je te le confie. Bénis-les pour qu'ils puissent brillamment réussir. Je tiens beaucoup. Et j'insiste, Seigneur, à ce que tu puisses leur donner. Nakombo misatu ya bule. Nakombo ya tata.